J'arrive. Donnez-moi 2 minutes. Pour 2 minutes. Tac, ça sera le casque. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je finis 2 petits trucs. J'ai débauché à l'arrache. Voilà. Tac, tac. Discord. Tiens, on va lancer ça vite fait. Ah mais non, mais ça c'est juste le PNG. Scope face. Ah, si je vais sur Scoot. Mon café est prêt en plus, putain, c'est bon ça! Coucou tout le monde, coucou, bien le bonjour à tous. Salut Rocco, Kevin, Achito, bonjour, Kier, bonjour. Jomo, bonjour, on est à fond. J'actualise un petit coup. Ouais, je suis absolument magnifique dans cette posture. Quelle élégance, quelle classe. Le café est prêt, ça j'ai fait. Je veux juste nettoyer ça vite fait. J'espère que vous allez bien. Logo Megapack. Non, Scope Faces Megapack. Facepack. Scope Faces. Combien il fait? Ouais, 5 gigas. Bon, c'est pas énorme. Ah non, pas en torrent. Je n'ai pas le torrent, c'est pas bien. Non. Bah non, mais je... Download via Mega. J'aime la vitesse. Il faudra que j'enlève. Mais pour trouver... Ah bah parfait, il me reste 3 minutes de DL pour le facepack. Le temps que ça se fasse. Voilà. Coucou Monsieur Chapati, bonjour à tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Oh la LDC avec Dijon la classe. Je fais ça, le facepack ODL, je chope mon café, deux gâteaux. Je me débarbouille un peu le visage, je me mets un peu d'eau froide pour me réveiller, parce que je sais que je vais bailler dans 2 minutes. Et puis on est parti les gars, on continue. Je vous lâche un petit continuer, c'est cadeau, c'est moi qui régale. Quelle générosité. J'arrive, bonjour à tous ceux qui arrivent, coucou!
Comment on va les gars? Ça va à fond? Bon, ben, je crois qu'on est parti, hein. Ah bah oui, hein. Ah, oh, ça fait du bien ça. Quelle belle journée, mes amis. Bonjour à tous. Pété mon record sur mon emplacement du jour. Trop content. Ah, ils aiment ça les burgers. Ah, vous aimez ça les burgers. Putain. Bon, en même temps, cette semaine, c'est vrai qu'au camion, j'ai fait un petit roast burger, en dédicace à ma fille, avec une petite mayonnaise maison, un peu de mâche, du comté, bon petit comté AOP, là, de chez Comté d'ailleurs, et un petit poulet pané maison avec de la panko, là, de la chapelure japonaise. Et l'autre burger du jour, c'est le petit Roquefort. Petit Roquefort AOP, poêlée de champignons de Paris que je fais revenir dans un petit beurre rallé. Un peu de mâche, le pain burger bio. 130 grammes de bonne viande hachée de la marque Socopa. Notamment le sponsor de la Coupe de France des burgers. Hein, donc c'est de très bonne qualité. Qui nous vient de Bourges. Voilà. Et puis après, vous avez le Tom's et le Crispy. Ils sont toujours au menu, mais ça vous le savez déjà, vous êtes des habitués. Ah bah non, il n'y a personne qui vient au camion parce que vous êtes tous des flemmards qui. Pas capable de faire 600 bandes pour aller manger un burger. Mais bref, bien le bonjour à tous. Oui, alors le canapé, oui, c'est le carton derrière, c'est le petit futé. Étant donné que j'ai lâché un peu de thunes, hein, on va pas se mentir, pour apparaître dans le petit futé. Pour les gens qui viennent du côté de la Rochelle, mon food truck apparaît dans le petit futé. Donc. Voilà, et j'en ai plein que je dois donner. Vous vendant, mais je vais les donner à mes bons clients. Salut Dame Spilimati, merci beaucoup. Salut Fragmi. C'est devenu lent d'un coup. Livraison par jet. Eh oui, messieurs, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ceux qui arrivent en même temps que moi, à l'arrache, comme moi. Ah, il est bon ce café, hein. Désolé pour le ASMR gâteau. C'est bientôt fini, hein. C'est un petit spéculoos. Ah, Nicolas Castillo, c'est celui que j'avais dans la partie au Pumas. Ah. J'ai fait du foot sale pendant 2 ans. J'adore ça. C'est hyper intense.
Ah bah oui, mais méga me bride. C'est vrai que j'ai pas de compte chez eux. Ouais, c'est vachement bridé. Non, c'est dommage. Bon, ça va mettre combien de temps? Bon, ça va mettre un peu plus de temps, c'est pas grave. Ah. Ah, ça fait bien hein, de se poser un petit peu après la débauche. Eh ben on est parti, mon kiki, avec cette petite compo face à Bruges en Ligue des Champions. On va faire jouer la touze au milieu de terrain. Voilà, avec cette compo. Ça me détend là, j'ai besoin de me détendre et de faire des bruits tirés d'un vieux boulard. Veuillez m'excuser. En fait, rien que le fait d'étendre mes jambes, c'est orgasmique. C'est vrai que d'être debout en fait et faire plein de petits pas, parce que j'ai un petit espace, entre guillemets, enfin, un petit espace. C'est un assez gros food truck, mais je fais que des petits pas à gauche à droite, du bout à l'autre, d'un bout à l'autre du camion. Donc quand je m'assois à chaque fois, c'est. Je commence à redescendre de mon service. Il y a tout qui va retomber. Tosca, ça devient impressionnant là. Ça devient très impressionnant quand même, Tosca. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Par contre, il y a quelque chose qui vient de me choquer là. C'est Bruges qui est deuxième du classement. Mais what? La Roma, c'est l'échec du Tchèque là. Moi qui pensais que. Boum! Moi qui pensais que j'allais galérer contre le bah, Sporting et Roma, et puis au final, c'est une énorme surprise. Bah surtout que tactiquement, c'est pas non plus. On va écarter un tout petit peu le jeu, les gars. Parce que j'ai l'impression que. Ah, Ncham! Ouais, eux, ils veulent jouer large. On est bien en place derrière. Ça passe pas. Ah, cette tête là. Ah, yac, yac. Elle me stresse, cette tête. Faut que ça dédouble un peu plus là derrière. On va leur poser des soucis. Allez, la touche de Lukaku. Très mauvaise. Putain, t'as un. Putain, ça peut être un clos, ça. Bah ouais, on va. Un mec tout seul, le bug de. Ils sont tous dans la surface et il fait de la merde. Pourtant, j'ai bien fait la consigne sur les touches. Mon cher Lukaku. Attaque gauche, touche. Ah bah pas du tout, Thomas. Bah alors? On n'a pas fait les touches à gauche, là, disons. Ah bah on a chié dans la colle. Hein. Hop. Confirmer changement. My bad alors. My fault. I am sorry. Merde, ça, ce n'est pas mon chat, ça c'est tout. Pourquoi j'ai Facebook d'ouvert? Désolé les gars.
Bon, par contre, les têtes, les gars, appliquez-vous. Quand vous centrez à terre, ça fait souvent but. Ah, la touze, bon, elle est très. Allez. 4. 4 sur 10, Fragmi. Au mieux, je te donne 4 sur 10 sur celle-ci. VF80, salut. Bien, bien le bonjour. Allez, les gars, on fait un peu mieux là. On fait un peu mieux encore. La Roma qui est en train d'arracher le point du nul face au Sporting pour marquer son. Ça fait bizarre de dire ça, mais son premier point dans ce groupe. Ça, c'est vraiment l'énorme surprise. Ah, c'est beau, hein. Je suis content côté droit. Basile Ekine qui est droitier à droite, quoi. Mais je pense que c'est mieux. Enfin, le centre à rater avec des attaquants intérieurs qui sont sur leur bon pied, c'est. Je trouve ça très intéressant. Plutôt que les mauvais pieds. Alors les mauvais, enfin le mauvais pied, il l'aurait mis aussi parce que bon, n'y a plus qu'à pousser. Mais du coup, les bons pieds là-dessus, c'est but forcément. Ouais, ça par contre, c'est pas. Ouais, il joue vraiment sur des centres. On va vraiment élargir à fond. Pas normal, c'est du 1 contre 1 sur l'aile. Enfin, pas normal. Pas normal du tout de perdre ça. Ouais, encore en retard dans les duels, hein. Là, bien repris, Encham, l'avantage. Ouf! Cette balle. L'avantage d'avoir un box-to-box en 10, c'est que le pressing très haut est un peu plus efficace encore. On a un bon tacleur avec un gros volume de jeu, etc. Après, ce match n'est pas fini, hein. Vraiment, vraiment pas fini. Et Tosca, alors ça, c'est vraiment. Pierre. C'est vraiment pas mon style de défenseur, pas du tout, du tout, du tout. C'est ça l'agréable surprise que j'ai là, c'est que il est ultra performant alors que je n'avais vraiment, enfin, j'avais vraiment presque l'objectif de le vendre. C'est tellement pas mon style de défenseur. Qui vais-je faire rentrer? Le petit Cacré ou le petit Chadli? Nasser, faut que je. Il vaut encore 22 millions à son âge, faut que j'arrive à le faire jouer et à le faire perf pour en gagner des sous, quoi. 32 piges, 22 millions d'euros. Je peux pas. Je peux pas faire autrement. J'hésite à. Très sincèrement, j'hésite à passer avec la Catenaccio. Ils me font peur. Enfin, c'est bizarre de dire ça alors que c'est Bruges, merde. Je devrais pas avoir à dire ça. Romulo Otero. Oh mon Dieu, non. Un énorme tireur de coup de pied arrêté. Oh non. 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 D'accord, les gars. Hors jeu, non? Non, but, c'est validé. Pas zézif de Tosca. Enfin, enfin. En fait, oui, mais il ne peut pas y avoir hors-jeu parce que ça. Ce que je comprends pas avec Tosca et l'incroyable impact qu'il a sur mes coups de pied arrêtés en ce moment, c'est que. Il saute pas très haut et il n'est pas très grand. Mais il me marque un nombre de buts sur CPA, c'est. J'ai pas de mots. J'ai sincèrement pas de mots. Mais en fait, là où je me dis que c'est possible qu'il soit efficace, c'est qu'il fait donc couper cette trajectoire au premier poteau. Mais si dans les consignes de défense sur corner, tu mets marquage du grand, eh ben tu prends forcément pas Aline Tosca au marquage. J'ai plein de joueurs beaucoup plus grands que Tosca. Il fait 1m80, 12 en saut. Je pense que si tu mets marquage du grand, Tosca, il est libre. Ils vont faire quand même un marquage sur Melegoni. Melegoni, il a 13 en saut, 1m86.
Du coup, Tosca, il est libre forcément sur corner. Ou s'il est pris au marquage, c'est par un latéral ou autre. C'est vachement intéressant du coup. Parce que le nombre de ballons qu'il prend sur corner, c'est hallucinant. Depuis que je l'ai mis à ce poste, on va regarder ses stats, mais c'est incroyable, c'est très intéressant. Ouais, j'ai pas eu le temps, c'est ce que j'ai pas eu le temps de voir hier, mais. Allez, U19, c'est une dinguerie aussi. Hein. Pro, plus 23. Tosca, c'est vraiment impressionnant là. Vous vous rendez compte qu'il marque plus que Dembélé sur les trois derniers matchs, il a 5 buts. Hein. Hallucinant. Depuis que je l'ai fait jouer, 7-5, 7-6, 7-8, 9-4, 9-4, 8-3. Il a eu 8,48 de moyenne en championnat. Il a 8,33 TCC. Mais le pire, c'est qu'il est fort de la tête. Regarde-moi toutes ces têtes décisives là. Il a 14 en tête, ok, mais comme 80% des défenseurs de Ligue 1. Et il a 12 en saut à 1,80 m, c'est hallucinant. Anticipation 14, je veux bien que ça aide. Mais c'est incroyable. C'est une énorme surprise. Début de partie, ça joue au Pauka, ça? D'accord. C'est très fort. Je sais, j'ai pas de mots. Coucou Sache, comment tu vas? Bonjour, bien évidemment, à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à lâcher un petit coucou dans le chat. Juste histoire de me faire du bien. De dire, ah oui, il y a des gens, c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ok. On est sur une très bonne série, hein, on va pas se mentir. 3 buts par match minimum depuis la fameuse défaite face à Lorient à domicile. On est sur un très gros rythme. Offensivement, c'est très impressionnant. Mais c'est pas normal qu'on soit là. Moi, je suis pas content de ça. Il va falloir perf et bah, dès le prochain match. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Parce que c'est le deuxième du championnat que nous allons affronter, l'Olympique de Marseille. T'es fou, gros! T'es fou, gros! Entraînement, 2 jours de repos pour la team. Ça va être juste, hein. Ça va être très juste. Merci, Kia. Et vous commencez à me connaître. Ça fait plaisir. Vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge. Gauche. Vous êtes des vrais dudes, des vrais potes. Voilà, je vais faire au moins sur le 4-2-3 off parce que c'est celui que j'utilise le plus. Combien de temps faut-il pour un joueur après un nouveau poste? Si je devais faire une moyenne pour que le camembert, comment dire? En fait, c'est que ça dépend. Par exemple, tu as un milieu def ou un milieu centre, vraiment milieu centre pur, mais il a par exemple toutes les caractéristiques d'un défenseur central. Pour faire la transition, pour lui apprendre le nouveau poste, ça va prendre plus de 6 mois, entre, je dirais même un an, quoi, quasiment une saison. Si c'est un milieu def, vraiment devant la défense. Ça va mettre peut-être un peu moins de temps. Et si par exemple c'est un défenseur centre et qu'il doit prendre le poste de latéral, ça mettra peut-être à peu près le même temps. Je pense. Tant que c'est pas trop éloigné ou des choses comme ça. Voilà. Si c'est vraiment un tout nouveau poste à apprendre, ça va prendre du temps. Si c'est juste un truc que le joueur connaît déjà à peu près,
Je pense que ça met 6 mois, 6 mois, ouais, peut-être une saison, 6 mois, non. Pas de soucis, Kevin. Après, il y a une note d'adaptation qui doit être prise en jeu, ouais. Oh, putain, ça y est, c'est le moment. Coucou Hugo. Merci, merci d'avoir pris le temps de te dire, tiens, allez, on va voir si j'ai de la chance et s'il est en live, de venir sur Twitch. Mais ouais, un petit coucou à tous ceux qui me regardent ben, à peu près ben, que sur YouTube, parce que sur YouTube, j'ai pas mal de monde aussi, ça fait plaisir. Pas loin de... J'irai une centaine de vues. Oula. Comment ça, YouTube est inaccessible? J'ai pas d'écho? Non, j'ai pas de perte d'image, pas d'écho. Désolé que c'est connerie. Ah, c'est parce que je suis sur Mega, je suis sûr. Ça doit être ça. Alors, j'essaie de juste réfléchir à ce que tu dis, Lico. Coup de pied arrêté, corner. Attaque gauche. Tu parles de corner offensif varié? Varié, c'est qu'il des fois court, des fois premier poteau, des fois deuxième poteau. C'est lui qui va décider le tireur de corner. Donc, oui, ça sera pas tout le temps de la même façon. Mais oui, si tu mets premier poteau, il va quand même très souvent tirer premier poteau. Après, voilà, c'est un corner et ça, pareil, faut. IRL, même si on te dit tire là au premier poteau, étant donné que c'est pas facile d'ajuster tout le temps, hein, déjà de bien tirer des corners tout le temps, tout le temps. À notre niveau, je parle. Ah, c'est quand même, il faut être adroit, quoi. À haut niveau, je pense qu'ils sont plus l'habitude et ils devraient savoir mieux tirer les corners. Après, on le voit d'expérience entre guillemets sur certains matchs. C'est pas tout le temps bien tiré les corners, quel que soit le niveau. Attendez, je regarde un coup. Hop. Ah ouais, bah là, déjà, Kevin, je pense que ton ailier devrait rapidement s'adapter parce qu'en fait c'est juste le fait de le descendre d'un cran, c'est le même rôle mais un cran en dessous, donc ça devrait le faire. Mais fais le jouer en match, mets-lui à l'entraînement et les deux cumulés ça devrait le faire, ça devrait le faire en 6 mois, non je pense. Ouais, je comprends Hugo, je comprends, mais ça fait plaisir en tout cas de te voir ici. Mais j'imagine que du coup c'est pratique aussi pour voir en live. C'est quand même mieux. Tu parles des combinaisons. Ah, plusieurs combinaisons, c'est-à-dire que tu parles de... Ah, de ce que j'ai mis en place, moi. Ça a testé. Après, là, c'est vrai qu'il faut se prendre la tête et faire plusieurs combinaisons. Waouh! Déjà, une combinaison, je pense, c'est pas. Ça fait déjà la différence. À réfléchir. Mais après, il faut se prendre la tête, penser à changer la combinaison et tout. J'ai jamais testé d'avoir plusieurs combis. Salut Mouillette Game, comment tu vas? Non, pas ces combinaisons-là, non, non, ça va. Non, non, tranquille. Ça va, les gars? Au niveau de la fatigue, ça tire un petit peu. Ce match-là, je dois jouer à bloc. À la limite, je ferai une rotation pour le match de Nice. Mais même le mois de décembre, on enchaîne avec 7 matchs. Ouais, je ferai ça. Ce match-là, j'ai pas le droit de pas mettre l'équipe type.
A. A. Ah, merde, j'ai dépassé le quota sur Mega. Fuck. Ouais, j'aurais pas le face pack pour le stream. C'est 5 Go maximum et le face pack fait 5 Go 20. C'est pas un derby. Et ouais, putain. Merde. Merde, j'ai oublié que c'était un derby. Je suis le pire entraîneur du jeu. Fuck. Bon, Marseille, en tout cas, ils viennent sérieux. 4-2-3-1. Mandanda qui fait du Mandanda. Mandanda. Oui, Mélégoni. Oui, les gars. Hors-jeu? Pas hors-jeu? Il n'y a pas un hors-jeu là? Et non, il est validé. Il est validé. J'ai eu un gros doute aussi, mais elle est belle la tête de Ncham. Ils vont mettre de toute façon le replay à l'écran VAR. Ah non! Mais pas l'écran VAR? Ah bon? Oh là là, Mélégoni, il te trouve des pires lots briseuses de ligne là aujourd'hui. C'est magnifique. Un bon centre. Ah, Memphis! C'est marrant, hein, Memphis, c'est vraiment un travail d'ailier là. Sur ce match, d'où le contre. Dommage. Cuir, cuir, cuir moustache. Boum, à côté. La coupe de la ligue BKT. Oui, allez Memphis, régale-moi. Mandanda, c'est perdu. Kirer, Ristovski, très bien joué en première intention. Ncham, oh, ça passe à côté. Gravenberch, ouais. Bah ouais, Gravenberch, je sais pas comment on prononce, je ne suis pas de là-bas. Des Pays-Bas. Oh là là, Mélégoni à chaque fois. Oh, ce ballon. Oh là là, en 10 minutes, ce qu'on leur met, c'est hallucinant. J'encourage l'équipe parce qu'il faut qu'on continue sur ce rythme-là qui est hallucinant de précision, surtout en fait. C'est ça qui est hallucinant. Sakai qui était en numéro 9. Georges qui perd le ballon, la fameuse tête cadeau. Oh là 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 là, c'est pas récompensé. Je sais que ils vont pas avoir besoin de 3 replays, Marseille. Hein. Et c'est pas forcément illogique. Très très beau, très belle animation offensive Marseille. Hein. Avec du Dani Olmo, du Kovnacki et du Flotov. Je connais pas ce Gyökeres. Oh, en Memphis. Ouais. Ça va rentrer. Hein. Il va y avoir 2-0 très rapidement. Pas possible autrement de toute façon. Oh là là, regardez-moi ça. Mais par contre, ça pète en contre-attaque. Attention les gars. Allez, tranquille, Ristovski. On change, Lopez, change mon grand. On insiste côté droit. On a de la chance. J'ai eu beaucoup de chance sur le compte favorable. Ouais. Ça ne méritait pas beaucoup mieux. On a eu de la chance. Un compte favorable qui lance parfaitement Ristovski dans la course. Allez, Memphis, le coup de pied arrêté. Matuidi, Bendona, Bendo. Ncham, dos au but. Mélégoni, il faut trouver quelque chose. Écartez un peu le jeu, les gars. Wow. Voilà, très bien écarté. Le centre n'était pas précis. Il est surtout pas. Par à terre, putain. Oh non! Ouh, j'allais dire dégagement into goal, ça aurait été dur.
Ça passe facilement sur le côté droit. J'ai envie d'insister sur ce côté droit. Les dédoublements passent bien là, globalement. À la mauvaise tête, je l'ai vu arriver. Me punissez pas avec cette tête de merde! Un replay, putain! Ah! Elle est sur toi, je savais que cette tête allait être punie. Putain. Encore une fois, latéral qui va presser sur le MOC, laissant l'ailier tout seul au marquage. Faut faire de l'individuel quand c'est buggé comme ça. C'est extrêmement agaçant ces bugs-là. Extrêmement, extrêmement agaçant. Bah ouais, bah c'est. Ouais. J'ai l'impression de jouer un match avec Viking face à une très grosse équipe en Ligue des Champions, quoi. Ils font rien. Un tir, un cadré, un but. Et sur une frappe des 25 mètres pleine lucarne. Et moi, j'ai eu 26 occasions en 20 minutes de jeu. Et ça a été puni qu'une seule fois, quoi. Pourtant, c'est que des mecs qui ont 15 minimum en finition. Ce qui est vraiment ouais, mal payé. Hors-jeu. Ça, par contre, ça me fait plaisir. On marque sur CPA, mais putain, c'est récompensé, c'est notre domination. Ça fait vraiment du bien là. Ah oui, non, mais d'accord. D'accord. Allez, rentre dans les livres d'histoire, Memphis, avec un triplé sur coup franc. Vas-y. Rejoins les Pavel Nedved et puis tout là. Non, c'est qui? Sinisa Mihailovic. Il doit y avoir Messi aussi, il me semble. Memphis qui me débloque ce match qui paraissait se compliquer de plus en plus. À notre incapacité à finir. Et c'est encore un contre-un de raté, putain les gars, allez, concentrez-vous bordel. Devant le but, c'est aujourd'hui c'est pas top top. D'habitude c'est notre quand même notre point fort, hein, cette capacité de tir cadré, le ratio de tir cadré but qu'on a est vraiment très impressionnant. Ouais, par contre les longs ballons sur la tête de Zagadou les gars. Ouais, j'aime la première relance de Mandanda. C'est bien ça. Très mauvais ballon ça. Gêner la première relance. Voilà, Thilo. Bien. On est bon dans les duels là. Hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Hors jeu, non? Hors jeu? Qui c'est qui me couvre? Le latéral? J'ai levé mon drapeau, hein, par réflexe, mais. Oh! Ah ouais, non, c'est très bien. La Camara, c'est une catastrophe. Ah là, on dirait de la défense large. Vraiment, pour laisser autant d'espace dans l'axe, je pense qu'ils ont dû mettre un petit largeur défensive très large. C'était pas beau du tout. Allez, je fais rentrer le petit Cacré parce que voilà, on gagne 4-1 face au deuxième du championnat. Et on fait un match. C'est un bon match, je ne vais pas faire la fine bouche. On gagne 4-1 face à l'Olympique de Marseille, mais. On marque sur deux coups francs direct, c'est à prendre en compte. On aurait pu marquer sur des très belles actions, alors je suis pas frustré, je suis très content du résultat. Mais. C'est plus beau quand même, sur des belles actions. Matin aux libéraux, ouais, je fais ça. Moi je fais ça en 2019, les gars. Je suis un fou dans ma tête, moi, je suis un fou, frérot.
Je suis un fou, frère. Allez, vas-y, prenez le jeu en main Marseille maintenant. Ah oui, bah là, ils vont. C'est Mata. Mata, le libéro qui fait le taf. Oh putain. J'en veux plus de l'avare. J'exagère peut-être. Il revient sur le penalty ou pas? Oh, s'il a arrêté le jeu, je pense, ouais. Je me disais, ça arrête pas le jeu comme ça, de manière gratos. Bon, à la limite, Matuidi en libéro. Ouais, 2-0 Gyökeres. Coucou Ariakodz. Encham. Ouais, globalement, mais en fait, c'est le 4-2-3 versus 4-2-3, si tu veux, Kier, c'est des numéros 10 qui ont de la place. Numéro 10 qui ont de la place dans les 4-2-3. Ah, je pensais pas qu'on avait marqué, par contre. Même si la femme, sur ce match, il y a eu vraiment beaucoup de place parce qu'ils étaient en ligne de défense large. J'aurais pu jouer plus axial peut-être, mais encore les doublements étaient. Je sais pas trop quoi penser de leur défense là-dessus, mais Ncham a eu beaucoup de place en début de match. Mais en tout cas, ouais, bon, il y a 1-1 à la mi-temps, il y a 5-2 au final. Les joueurs ont très bien réagi. Pour aller chercher la victoire et puis Memphis nous a débloqué le match de bien belle manière. Pierre Lignot, bonjour. Je suis là depuis 14h45, je dirais. J'ai jamais joué avec Estoril. Ah, les têtes dégueulasses, ça me fait péter un plomb. Oui, vers 2-0 très rapidement. Effectivement, très bon pronostic aujourd'hui. Ouais, bah les coups francs ont été à peu près les mêmes, ouais. Pas placés pareil, mais Memphis a décidé là. Il a fait clac clac. 4 minutes de coups francs. A fait plaisir cette victoire. Salut Kikoff. Effectivement. Ouais, je suis passé à 3 derrière parce qu'on était face à Marseille qui est passé dans un 4-2-4. Bon, donc ça nous a fait marquer un but. Et eux, ils ont marqué sur le penalty. La réserve gagne 2-0. Les U19 gagnent 5-2. La réserve est comment? Deuxième de son championnat. Les U19 sont premiers. Ah! 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 So it begins. Vais me faire défoncer par Lyon. Je suis impatient de voir la réaction de Jean-Michel Aulas. Je suis très impatient. Je suis obligé de postuler. Là, on est sur l'opportunité d'une sauvegarde là. Parce que là, concrètement, j'aurais pas l'opportunité de rejoindre Bordeaux avant, j'irai au moins 2 ans. Si je ne le fais pas maintenant. C'est le moment. Ah, là, il n'y a pas de je réfléchis, il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Là, c'est l'objectif. Je peux atteindre l'objectif de cette carrière. Donc, je suis très curieux de la réaction du board des dirigeants. Ils ne le savent pas encore, peut-être. Par contre, quand je vais passer l'entretien, ouais, 4 passes clés, Cham.
m'a recommandé. Ah, Jean-Michel, il va grincer des dents. Putain, Radonjić et Akubat? C'est quoi cette équipe là? Oh, par contre, on va pas bosser la tactique quand même, les gars. On se fait une petite session def? C'est possible? Ah, je sais plus si j'ai mis Bordeaux. Je crois pas avoir mis Bordeaux par contre. Ah si, club préféré Bordeaux, putain. Ah oui, ça va, j'ai cet argument-là. Putain, j'y avais pensé, je me kiffe. Ouais, mais après c'est pas fait, mais putain, si j'arrive à atteindre cet objectif, enfin c'est l'objectif de la carrière, hein. C'est Bordeaux River Plate. Ça m'étonne. Après, j'avais pas mis River Plate en club supporter. Ça serait peut-être un peu nul de ma part. Mais là là, ça serait trop stylé en vrai. 4 saisons et j'arrive à signer à Bordeaux, ça serait grave stylé. J'ai eu, désolé, hein, mon proc qui vient d'arriver au 1er décembre qui galère. Allez, voilà le proc. Doucement, mon grand. Ouais, je vais peut-être mettre un petit coup d'éditeur pour ajouter River Plate, je pense. Marquer autant de buts que Neymar à l'Intosca sur le mois de décembre. À Lyon, je leur ai fait un petit truc propre aussi, hein. Ils pourront pas me dire, bon. Ah, les finances, j'aurais. Ouais. Après, c'est les finances gérées par le jeu, mais. Là, on pourrait vraiment partir sur une belle aventure, si ça se fait. J'ai peur que ça se fasse pas, parce que j'ai peur par rapport à ça. Nabilou est de retour, Nabilou Bilou. On va peut-être pas le faire jouer maintenant, Nabilou Bilou Bilou. Bertrand, pareil, c'est juste. Aristovski, il est en train de perdre un poumon. Hop. La Touze, elle a peur de la place de Bendonabendo. Et puis voilà, simplement. En vrai, je serais vraiment trop content de signer à Bordeaux. Là, je me dirais, putain, tu t'es fixé ça comme objectif de début de partie et tu l'as fait, quoi. Nice. Nice, nice, nice. Il est pas mal le recrutement de Lyon. Oh, de Nice, là. Ça va être un match compliqué, hein. Je fais le malin, mais j'aime bien leur équipe. Let's go. Oui, bah Lyon doit être la plus belle usine. Ah oui, déjà. Ah, je pensais pas autant quand même. Ah, mais c'est moi qui fais une passe D, d'accord. Le tacle passe D. Bon. Belle passe de moi, merci, merci à moi-même. Je disais quoi? Oui, au niveau des Réjeunes, Bordeaux sort du lourd. Mais Lyon, c'est sûr que. On n'est pas sur du lourd, on est sur du très lourd à Lyon. Ah, par contre, les gars, vraiment, respectez. Si vous ne respectez pas le centre à rater. Enfin là en face c'est quand même Christopher Julien et puis NDI quoi. C'est un 86 minimum et 15 en saut chacun. Enfin, ça va pas le faire quoi. Ouais non alors là par contre non on va. Enfin stop, 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 stop.
Je trouve beaucoup de bugs là. C'est quoi ces pertes de balles absolument what the fuck là? On se fait presser par Éric Picard, 17 ans, 600 puissance, 10 QPN. Il n'est pas capable de faire 3 passes en plus avec son 10 en passes. On fait rien. Ah, je fais rien du tout. Je me fais surbouffer. Donc là, on va blinder derrière. Hein. Je peux absolument rien faire face à Nice. Que des mauvaises décisions. J'ai vu beaucoup, beaucoup de mauvaises décisions sur ces 20 premières minutes. Je pensais que Touzard allait prendre sa chance. Il avait plus de place que Ken Cham. Bizarre qu'il n'ait pas pris sa chance. Ouais, par contre, là, il y a des. Ouh Ça joue Nice. Moi, je le sentais bien. Je me fais surdominer. Ils sont extrêmement impressionnants. Mauvaise tête. Et puis dans les duels, c'est des monstres physiques. Il y a du Bobby Wood, il y a du Jerry Saint-Just en latéral. Les deux dans l'axe, c'est des tourelles. Fameux Thomas Tourelle. Ouais, jouez vraiment au sol, les gars. Respectez un petit peu ce que je vous ai dit et ça peut le faire. C'est bien ça aussi, à vrai dire. Une petite frappe des 25 mètres. C'est pas faux, peut-être qu'hier, j'espère pas. Il a jeté un froid, Picard. Celle-ci, elle est bien, j'aime beaucoup. Parade de vitesse. Jeune, ce Picard dit. Allez, on enchaîne. Boum! Dommage. Je l'ai, surgelé. Ok, on est sur un triplé là, les gars. On est sur un triplé de blagues, GG à vous. Je crois qu'on peut se féliciter de ce qui vient de se passer. Donc on rappelle, hein, Srarfi il est gaucher, hein, c'est ça qui a marqué. Parce que là, et en plus la repique de l'axe, ah ouais, ils sont buggés les ailiers ou quoi? Entre les attaques, les ailiers qui aiment déborder, qui se retrouvent à revenir dans l'axe en permanence, et les gauchers à droite. Attendez, j'ai mis ne vous jetez pas et j'ai deux cartons jaunes d'un coup là. Les gars. Calmez-vous, bordel. Ah putain, c'est vrai que ça fait ça. C'est bonne passe. Par contre, au niveau des passes, les gars, vous avez tout compris. Étant donné qu'il faut chercher un peu la profondeur. Par rapport au manque de vitesse, l'avantage qu'a Dembélé par rapport à ses adversaires du jour. Bon, on a réagi tactiquement. Je pense qu'il faut que je joue le contre. Hein, donc, je vais me faire dominer sur le reste du match, je pense. Mais c'est bien, c'est la bonne réaction qu'on a eue. Je tente l'esprit de revanche pour cette deuxième mi-temps. Je remettrai bien Nasser Chadli. Ah non, on va faire entrer Fekir à la limite. Je vais sortir Latous qui a déjà un jaune. Je passe Ncham en B2B et Fekir en 10. Ça le fait jouer une mi-temps. Ça devrait pas être trop dangereux. Et c'est lui qui pourra débloquer avec une frappe à 25 mètres, le petit Nabil. Ouf. Non, franchement, si je signe à Bordeaux, je suis trop heureux. Alors après, voilà, enfin, après, je pars sur une carrière qui va peut-être. Voilà, on part sur de la stabilité à Bordeaux. Après, j'arrête de bouger, quoi. Oh, le 3v2. Le 3v2. Oh, tu t'es trop excentré, Memphis. Trop excentré, mon grand.
Je tente quelque chose. Oh bon, je suis déjà en axial. On va essayer de trouver des CPA. On a été bon sur corner et puis bien sur coup franc récemment. Je vois que ça pour débloquer. C'est un match super intéressant. Et puis enfin, là, je suis dominé, mais je sais pourquoi. Et j'ai fait une bonne, assez bonne adaptation. Ça équilibre les trucs. Ils ont une belle équipe. C'est agréable de jouer FM comme ça, même si ça va faire nul ou défaite. Force est de constater que même si je prends un but, c'est moi qui fais la passe D en taclant. C'est hyper intéressant ces matchs-là. Très agréable. Ouais, définitivement Chadli à la place de Depay. Mata en MJR. Ouais. Je fais tous mes changements. Tactiquement, je pense que c'est le bon choix de les aspirer, de lâcher un contre. Le seul. Voilà, après, c'est guetter leur adaptation tactique. S'ils passent à deux attaquants, je passe avec la Catenaccio. Je passe avec la Catenaccio. Et s'ils restent comme ça ou un seul attaquant mais offensif, on garde la tactique de contre. Ouh! C'est quoi ce but de Basilekin? Oh my god. Mata, Encham. Super ballon. Oh là 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 là. Cette frappasse? Ah oui, j'allais dire ils vont passer à deux attaquants peut-être. Oh putain, je le vois. Ça, c'est dégueulasse de me faire ça, Football Manager. Ça, c'est dégueulasse. Tu lances le replay. Ils sont un attaquant. 5 secondes d'appel replay, ils passent en 4-4-2. Ah putain, t'es grand mort. Ah ouais, non, mais tu marquais là-dessus. Mais. Voilà. Ça fait qui en libéraux, c'est pas. Ouf. Disons que voilà quoi. Allez, Juan Mata, Basilekin, qui est chaud. Mas, Mata, Mas, Mata, Basilekin, Mata, Encham, Basilekin, Encham, qui rentre la belle frappe juste à côté. Allez, allez, on va le chercher, on va la chercher cette victoire. Clinton Njie, Mata, très bon retour de Mata, superbe. Dembélé, Tchali, une Pirlas quelque part. Elle a traversé un joueur. C'était bizarre ce comportement du ballon là. Non! Dégagez! On s'inspire de Pep Genesio des fois. Fekir, Mata, Fekir, Mata, Fekir. Pas Mata, voilà. Dégagez-moi cette balle. Allez, compact, compact, nice. Allez, Cyprien, Moutinho pour eux. Allez, on se fait pas douiller. Superbe ballon de la part de Moutinho. Et on va le chercher ce 2-1. Très très bien réagi. Très bien réagi. Nice méritait sûrement mieux au vu de leur entame. Ils ont fait une énorme entame de jeu. Et on a bien réagi tactiquement pour aller chercher cette victoire. Yes. Salut El Flaco. J'ai piqué ton concept. Je me suis créé Gabriel Batistuta et je commence la Fiorentina. C'est aussi une façon de s'adapter, effectivement. Avec Batigol. Le nouveau Levchuk, dégage-moi ça. Levchuk. C'est mort. Et bon, celui-là, lui-là, il va tout péter. Il va tout péter, ce joueur-là. Impressionnant. Eric Basilekin. Bon. Et bah du coup, on est dans l'attente d'un coup de fil, hein, comme on dit.
En attente du coup de fil du côté de Bordeaux. Et on va voir. Ça peut être une idée, Hugo, ouais. Effectivement, de terminer ma carrière à River après avoir mes objectifs avec Bordeaux. C'est vrai. Merci, Jomo. Ouais. C'est tout dans le skin, Lico. Mat, mat. Salut, Figo. N'encourageons pas ces blagues. Non, je dis non à ces blagues. Elles sont excellentes, bordel. Tilo Attendez, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Les dirigeants de Bordeaux vous indiquent qu'ils ne peuvent pas étudier davantage votre candidature pour le poste vacant d'entraîneur. Car ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec vos employeurs actuels concernant la compensation liée à votre départ du club. Okay. Ils sont prêts à vous donner une courte période de répit pour vous permettre de trouver une autre porte de sortie avant de devoir vous imposer leurs termes. Vous pouvez tenter de persuader vos dirigeants de revoir à la baisse leur demande de compensation. Oh bah S'il faut, je me gage. Je souhaiterais pouvoir rejoindre les Girondins de Bordeaux pour prendre la tête de l'équipe, oui, mais le montant compensatoire est trop élevé, oui, vérité. Merci de bien vouloir revoir, oui, c'est ça. Alors attends. Nous préférerions que vous acheviez le travail que vous avez commencé ici, ou si vous ne pouvez pas me permettre. Attends. Si vous ne me permettez pas de partir, puis-je au moins suggérer quelque chose. Non, je ne vais pas vous mentir. Non, non. Je veux me barrer, moi. Démissionne. C'est très dangereux par contre. C'est très dangereux, mais je vais devoir démissionner. Hein. Incroyable. Cette carrière prend un virage incroyable. Faut poser la démission. La démission. Et si tu démissionnais, démission, démissionne. Au pire, t'es au chômage. Bah, je crois que Pôle emploi va me régaler en même temps, c'est vrai que. Je démissionne, faut que j'aille vite, hein. Faut que j'aille très très vite. Voilà, je prends une décision. Ça fait bugger le jeu tellement ils étaient pas prêts, je crois. Ok. Non. Non. Et pourquoi? Je vais plus postuler. Mais c'est pas possible! Un club, oui. Ah, la candidature est peut-être maintenue. Fais voir. Pôle emploi. Oh putain, merde. Je vais avoir l'air con. Non! Candidature posée. Candidature déposée. Ok, j'ai eu peur. Oh, putain. Putain, la vache. Après, on dit, les gens disent, ouais, il n'y a pas de boulot, c'est dur et tout, le chômage. Regarde-moi tout ce qu'il y a de libre. Merde. Hâte de te voir à la méno. bah, on va spam continuer. Maintenant, faut que ça aille vite. Putain, je sens que j'ai un message. Ah oui, ben non, je suis con. Kourouzou? Je vais me retrouver à Kourouzou, moi, tu vas voir, c'est quoi Kourouzou? C'est pas Issandou? En Brésil, je vais me retrouver en D2 brésilien, tu vas voir comment je vais bégayer, moi. Ben, on attend. J'ai pas répondu aujourd'hui. Et on attend. On a l'entretien, messieurs. On a l'entretien. We've got the entretien. Avec le président Fawaz. Allez, les gars.
C'est pas le moment de flasher, là. Alors, pensez-vous pouvoir avoir un truc qui vous tient tant à cœur, bien sûr. Non, non, on verra à la fin de saison. Oh, bah non, mais on va essayer de fait d'intégrer des jeunes et tout. Milieu de tableau? Ouais. C'est bien ça. La même première partie de tableau. Après, ils sont 14e. On est en décembre. Oui, il n'y a pas de souci, il est sous. Ouais, c'est bon. Non, non, pas de suggestion. À voter, messieurs, à voter. On prend un tournant énorme aujourd'hui. Hein. C'est un tournant de la carrière. C'est. Ah, c'est comme si j'avais fait, je sais pas, avec Ryan Giggs. En tant qu'entraîneur sans emploi, et que j'ai un entretien avec Manchester United, quoi. Il va falloir vendre pas mal. Hein. On n'y a pas une thune, c'est le ghetto à Bordeaux, là. Alors, bon. Mets ton plus beau survêtement, merci. Apporte-lui un burger, ah oui, c'est facile. C'est gagné, là, monsieur Chapatis, après. Ouais, il est un peu duros, ça. Si vous êtes prêt à retourner à La Rochelle et faire 1 h 30 de, enfin 2 heures de route par jour pour revenir à Bordeaux. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Ah non, bon, on a déjà Mesut Özil là, à Bordeaux, à la côte. Caglieri, Carillo, Mesut Özil, Valentin Rongier, Rosier de Dijon, j'ai oublié, il y a encore Koundé. Je me souviens plus de l'équipe, mais je me souviens que de ça. Je manque un peu d'ambition peut-être sur la causerie Wallico, mais Bordeaux est 14e au mois de décembre, donc j'ai préféré assurer. À voter, ok, Mouillette Game. Celle-ci, je l'aime bien parce que j'aime bien le thé, donc c'est bien. René Girard. La période lyonnaise, je pense que j'ai Gazo là, qui est de La Rochelle, qui m'avait dit oh, trop content que tu prennes Lyon. Ah bah ça aura pas duré longtemps, hein. Salut Max. En fait, Max, donc on va vous reprendre depuis le début. J'ai créé une partie une partie sans emploi, où je n'incarne pas moi, entre guillemets, mon entraîneur virtuel, mais j'incarne Fernando Cavenaghi, ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Et je suis parti sans diplôme, juste la réputation d'ancien joueur argentin international, supporter de Bordeaux. Et j'ai commencé au Viking, j'y suis resté 3 saisons. Après ces 3 saisons, je voulais, enfin, l'objectif final est de signer à Bordeaux. Mais malheureusement, Bordeaux n'a pas licencié son entraîneur durant cette période de 3 ans. Enfin, à la fois où ils l'ont licencié, j'étais encore au Viking et je voulais atteindre mon premier objectif avec cette équipe-là. J'ai atteint mes objectifs. Lyon est venu frapper à la porte. J'ai accepté le poste de Lyon parce que c'était
un boost dans ma carrière et c'était le moment parce que j'avais atteint mes objectifs avec Viking et je me suis dit maintenant que j'ai fait ça, on peut passer à autre chose. C'est ce que j'ai fait. Et en signant à Lyon, l'objectif c'était bah, de remettre le club en haut de la Ligue 1 et puis voilà quoi, c'est parti là-dessus. Mais l'objectif principal de cette carrière, c'est arriver à Bordeaux. Et après, voilà quoi, la carrière commence là, de dire voilà, ça y est, Fernando Cavenaghi est entraîneur de Bordeaux et voilà, c'est l'objectif de la partie et c'est ce que je risque, je l'espère, d'atteindre dans quelques minutes. Peut-être que c'est dans les 16 messages qui m'attendent dans la boîte de réception. Donc voilà pourquoi le passage à l'OL a été très rapide parce que je suis arrivé en juillet, juin-juillet, et je repars, je risque de partir, enfin je suis parti en décembre parce que je suis au chômage. Point d'exclamation skin pour avoir le lien pour le skin. Il doit être dans l'article du lien que j'ai mis, il y a marqué download. Ok, bien vu. Ouais. Je vais pouvoir faire des changements, mais j'ai pas beaucoup d'argent, Lico. Ok, Max. On va essayer de construire avec quelques jeunes de Bordeaux également. Au Proyecto Crecer en Argentine. Mais pas de soucis, Max, t'inquiète. Ouais, je crois Madrid. Je sais pas du tout, Kikoff. Très bonne question. Franchement, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont aimé le passage de Cavenaghi à Bordeaux, donc c'est pas improbable. Allez, on regarde. Alors, est-ce que c'est affiché là? Oh, Poyet renvoyé du Milan. C'est bien, mais ça, c'est le karma, bande d'enculés du Milan. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, c'est parti. Bien fait pour ta gueule. C'est bien fait pour ta gueule. Pardon. Thomas, calme-toi, s'il te plaît. Allez. Rémy Garde envoyé d'Amiens. Furlan envoyé de Nice. Merde, j'ai pas de nouvelles. Il y a pas marqué qui est remplacé à Bordeaux, donc normalement le poste est toujours dispo. Si, attendez, si Poyet revient à Bordeaux et me vole le. Alors là, j'arrête la partie. Voilà, ça c'est dit. Si c'est Poyet qui revient à Bordeaux et qui me vole, imaginez, il me vole le poste à Bordeaux après Milan. Lico, il l'a vu arriver aussi. T'imagines? Ça me ferait trois raisons, deux raisons de plus de le détester. Ok, Saint-Étienne, ils ont trouvé aussi. Saint-Étienne est 18e, la vache. Toujours pas de nouvelles du poste de Bordeaux. Ok. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez, putain, tenez. S'il vous plaît. Au pire, Milan. Je crois qu'il n'y a que Bordeaux hein, qui va peut-être pas m'abandonner quand ils vont voir que je me suis barré en cours de saison de Lyon. Ça le fait pas sur un CV, hein, démission. Oh putain. Ça flippant. J'ose pas appuyer. F4? Est-ce qu'il appuie sur F4 le joueur français? Ok, des Grafschaft. Schraff, schraff, pap. J'ai tout quitté pour mon rêve, exactement, Pierre Lignot. T'as tout, c'est exactement ça. Gourvennec, Tigana, Davids. Ah non, j'ai cru que c'était Edgar Davids. Tony Pulis, The Hull City. Par contre, genre Pierre-Alain Fro, il va pas être entraîneur intérimaire et tout entraîneur équipe première quand même. C'est pas Pierre-Alain Fro qui va mettre une douillasse. Ingolstadt, Kouk, oh trop stylé, Philippe Cocu à Strasbourg. Nice. Paulo Fonseca, Wolves. Il n'y a pas de nouvelles de Bordeaux, les gars, Non, je préfère qu'on continue dans le stress comme ça. Allez. On est dans le stress, mais c'est du bon stress.
putain, c'est pas possible. Le fameux problème de fax. C'est bon, les gars, il n'y a plus de frais à donner à Lyon. Je suis libre comme l'air. Allez. Allez, le président, on dirait d'Arabie Saoudite. Vu comment mes autosiles jouent en ce moment, on est un bâtard. Putain, Bordeaux, arrête pas de gagner. Fuck. Non. Oh putain. C'est... Ça sent la grosse désillusion, ouais. Mais de toute façon, plus le temps passe, moins c'est bon signe, hein, on est d'accord. Peut-être que Bordeaux veut terminer la moitié de saison, je sais pas. En tout cas, c'est bien stressant. J'ose pas aller regarder Bordeaux pour voir si le poste est pris. J'ose pas, j'ai peur. J'ai très peur. Je rigole, mais c'est le rire nerveux. Je suis très nerveux. Bédouin entraîneur. Non, mais les gars, respectez-moi quand même. Ouais, j'aurais eu l'alerte, Chapati. Parce que ça met même que le TN Zilina Skretrovski a trouvé un entraîneur. Donc, je pense que Bordeaux, quand ça va trouver un entraîneur, ça va me le mettre. T'as surveillé les pigeons dans le coin? What? Oh putain, 9 messages. CSKA Sofia, Rotterdam, Genoa, RC Lens, Lommel, Arsenal Toula, Slavia Sofia. Oh la vache. Il n'y a pas de Noël de Bordeaux. Putain la vache, eh oh. Bordeaux réfléchit. Oh putain. Ah, j'en veux plus. Oh, Franck Passy. Non mais arrêtez les gars, mais respectez-moi. Sagnol à Lyon. Pardon. Non mais le journaliste qui... Pourriez-vous envisager d'officier à nouveau dans un club de division inférieure afin de trouver un poste? Non mais respectez-moi. Et attends, et merde. Putain. Ça se trouve, Pierre-Alain Frot, qui était entraîneur de la réserve, il a eu des bons résultats avec Bordeaux et c'est lui qui met le clignotant, quoi. Non, il s'est toujours pas pris le poste de Bordeaux. Je m'envoie un signe. Je sais pas d'où il vient, oui, Sagnol. Oh putain, c'est intenable. C'est long. My God. J'en peux plus. En attendant, on touche Pôle emploi, les gars. Tétard. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ça va être dur à tenir les objectifs si j'arrive à la 35e journée, effectivement. Je me suis fait baiser par Claude Makélélé et je peux dire que ça fait très mal. Oh non, je me suis barré de Lyon pour rien. Non. Ils ont payé 725 000 euros pour Makélélé et moi. Pôle emploi FC, non! C'est dur. Oh, c'est dur. Joueur français. Le joueur français, la tête entre les mains. Je me suis fait baiser par Makélélé. Vous imaginez la douleur? Makélélé. On l'appelait troisième jambe hein, en équipe de France. Vous rendez-vous compte? Eh ben, il me l'a mise. Bah, c'est sûr que si l'entretien a eu lieu sous une douche, oui, Makélélé, il a gagné. Hein. Aïe, aïe, aïe. On n'en tue pas, Ola, c'est vrai. Il a du réseau partout, Jean-Michel. Ah, oh, dur. Ah, oh, dur.
Oh, dur! Alors là, c'est dur. Oh, Independiente ou Santa Fe, River est premier. River est deuxième. Ouf, oh là, c'est plus un challenge là. Ouf, la vache. Genoa, c'est pas simple. Independiente, en vrai, c'est stylé. C'est grave stylé, Independiente, en vrai. Mais par contre, c'est un Argentin, Cavenaghi. Je le vois pas aller autre part qu'à River. Après, on peut faire une Lyon-Bordeaux quand on. On peut faire une Lyon-Bordeaux avec Cavenaghi. On retourne à Independiente pour que, si ça peut nous donner accès à River, ça peut être un truc. C'est pas Boca Junior, non, je ne me voyais pas aller à Boca Junior. Oh! Ah merde, ils ont fini les entretiens au Milan. Ça a été rapide, sache, ton offre de sub, elle a été rejetée par le Milan. Merci Greg Lam et j'ai raté un follow, je crois que c'est Steven FM. Merci pour le follow mec. Merci beaucoup les gars. Bonne chance à Claude Makélélé. Non. Non, 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 pas bonne chance. Non, c'est mort. Non, non. Vraiment pas bonne chance à Claude Makélélé. Vraiment, vraiment pas bonne chance. Ouais, bah j'ai mis du temps. J'aurais dû réagir plus tôt pour le Milan AC. La période d'entretien était terminée, donc ils ont déjà choisi. Ozil à Bordeaux, bon, au bout de 3 saisons, il a 33 ans, il a plus le niveau, ça m'étonne pas. Non, non, ça m'étonne pas. Bah, surtout quand on le voit le niveau actuellement de Mesut Ozil. On a un entretien par Independiente. Putain, la vitesse où ça rebondit là, c'est incroyable. Hull City, ah oui, c'est la giga chute. Ouf. Sinon, il y avait Lens aussi, mais bon. Independiente. Une petite sélection d'équipe, j'étais entraîneur de Lyon quand même. Maintenant. Ça me concerne l'importance. Non, ça, je m'en bats les couilles. Ok. Non. Ok. Bon. Ça serait énorme, hein, de retourner comme ça, bah, au pays. Ça serait énorme. Mais le Bordeaux qui dit ouais, on peut pas payer ton truc à Lyon, je prends le risque, je démissionne. Vous imaginez IRL si ça se passait comme ça? Ça serait énorme. Ça serait énorme. Bouf. Il sacrifie tout pour Bordeaux. Son club de cœur. Bordeaux le regarde dans les yeux. Baisse son pantalon et lui pète au nez. Il est sans emploi et il doit retourner dans son pays près de sa famille.
Belle histoire. Doublé par combien? Ouais, je me suis fait U. Non, je me suis pas fait virer par Lyon, hein. J'ai démissionné. Parce qu'il y a eu l'opportunité de la sauvegarde de pouvoir signer à Bordeaux et j'ai pris les risques. Non, je recharge pas de sauvegarde. Jamais de la vie. Non, j'ai fait une demi-saison à Lyon. Il y a du Sassuolo en Italie qui se libère. Non, j'ai démissionné hein, de Lyon, hein, qu'on soit. J'ai démissionné de Lyon pour tenter de postuler à Bordeaux, car Bordeaux avait viré son entraîneur. Et comme il trouvait que la compensation pour me payer était trop chère, démissionné pour que le Bordeaux ait zéro de commission à dépenser pour me recruter. Et voilà. Sauf que Bordeaux ne m'a pas recruté, ils ont recruté Claude Makélélé en entraîneur. Et du coup, bah, je me suis mis au chômage pour Bordeaux. Et Bordeaux, il m'a fait. Bah, en fait, non. Il y a marqué. Bordeaux a lâché 725 000 euros de compensation à Vérone pour avoir Makelele. Donc, est-ce qu'on peut dire que je me suis fait douiller? Ouais. Disons que Bordeaux m'a un peu fait de mal. Ouais. Debout et cocu, ouais. Coucou à Strasbourg et debout à Nice. C'est énorme. Non mais c'est. Ah, je veux dire, c'était la moindre des choses à faire. Ses objectifs. Dans la vie, de manière générale, tous les jours. Faut se donner des moyens. Faut prendre des risques dans la vie, sinon. Sinon, c'est d'un plat et d'un triste. Que voilà. Que moi, j'ai pris le risque. Financier principalement, de partir de Lyon. Et je voulais tout donner pour signer à Bordeaux, malheureusement. Comme avec les femmes. Il est arrivé avec son gros braquemar, Claude Makélélé, et ça fait la différence. Ah, je joue pas dans la même catégorie, qu'on se le dise. Tenter le diable, j'ai pris des risques. Mais à premier match Bordeaux-Guingamp, un partout. Ça, c'est bien fait pour votre gueule, Bordeaux de. Hey, on se calme. Rancœur? Non, jamais pas de rancœur. Là, c'est bien. Là, les gens, là, ça met du. Vous savez, cet épisode Netflix où vous dites, bah. Ça fait deux épisodes sur l'épisode Netflix. Bon, la série, ça perd un peu là. Et t'as un retournement de situation absolument what the fuck qui te relance dans la série. Voilà. Ça y est, c'est. Crois. 7 ou 8, je sais plus où on met en sur YouTube. Je vais regarder les posts après. Le Bordeaux a été racheté par des Saoudiens, il me semble. Je vais aller regarder après. Le Genoa, je vais regarder, j'étais 17e. Hello, Air Charo 9-2. Attends 2 secondes. Il y a une téléphonie, ça ne passe pas. Oh merde. Oh merde, Genoa s'est pris. Oh merde. Putain, on va être Pôle emploi FC pendant longtemps, quoi. Sassuolo 19e. Même Vérone est moins. Je vais pas signer à Vérone, respecte-moi. Oh, il n'y a rien. Oh, Copenhague. Grave.
C'est absolument génial tout ce qui se passe. J'adore. Que des imprévus. RC Lens. Putain, Lens. Putain de centre de formation, Lens. Sparta Rotterdam, ils sont mal, mal, mal. Actually. I don't have any job actually. I played for 3 years in Vikings in Norway. Then I moved to France in Lyon. And the objective of this save is to land in Bordeaux, which I wanted to, and I failed because Bordeaux chose another coach for this year. So this is why I'm jobless actually. Ouais, va falloir faire tomber Makelele là. Copenhague, non, pas Copenhague. Ah, d'accord. Yeah. Les Rosenborg du Danemark, ah, c'est une grosse équipe. Faire si on peut voir mon passif. So I've been playing, yeah, almost 4 years for Viking. And yeah, when I arrived in Viking, there were half season, and they were eighth in the ranking, and I finished second, which gave me the promotion to the Eliteserien. In the first season, in the first division of Norway, I finished second, and in my second division, in the first division, I finished first, and when I left Viking, it was in 2021, and I was first at the moment. It was in June, and I moved to Lyon. And in Lyon, I've been playing for 6 months, and I just left. And I tried to sign for Bordeaux, but they chose another coach. So this is why I'm actually jobless, as I said. And I'm looking for a new job actually. So this is why I'm trying to apply for some other clubs. Sassuolo, en vrai, c'est grave stylé. Je m'en bats les couilles de leur classement. J'aime trop cette équipe. Très bonne partie à faire en tout début aussi à faire. Putain, Argentinos aussi, c'est quand même comme. Il y a trop de trucs qui me plaisent. Argentinos, rejeté par Montpellier. Trop tard? Ok. Oh, ça sur l'eau, ils ont l'air chaud sur moi. Alors. Non, non, pas de triche, les gars. Pas de triche. Je sais pas du tout, Kevin. Je sais pas ce qu'elle va faire Makelele avec Bordeaux. Ouais. Ouais, peut-être que ça me permettra de bouger plus facilement, Monsieur Chapati, je suis d'accord. Ouais, le club de Maradona. Les Argentinos Juniors. Ouais, j'ai postulé dans plusieurs clubs, on va voir. Je me prends pas le cul. Wait and see. Ah bah j'espère pas, Kevin, on est bien d'accord. Hein. Ça fait bizarre de retourner en Ligue 1, ouais. Cette tournure n'était pas prévue aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu ça. C'est marrant. C'est very funny. Au Sparta Rotterdam, ils ont choisi. Je pense que vous entendez le bruit de Steam là. Mon pote me parle. Va aller faire un tour à Pôle emploi après. Ouais. J'ai oublié d'aller voir à Bordeaux pour voir la nationalité de.
des nouveaux dirigeables. Bordeaux. Comment ça va les Girondins? Deux matchs nuls depuis l'arrivée de Makelele? C'est dommage. Bande d'enfoirés. De toute façon, je signerai chez vous quand vous serez en Ligue 2. Hein. Voilà. Et Lyon? Je vais te quitter après Nice. Ah bah disons que bon bah depuis Lyon le chemin est bien remis hein. Oh putain. Bah ça fait plaisir. Yes, ça me plaise. Ok, je suis pas allé voir Bordeaux du coup. Au niveau du staff. Oh, du Koweït! Oh, c'est des investisseurs du Koweït qui ont signé. Ramé, Makelele, Pierre-Alain Fro. La vache. Pôle emploi. J'ai appliqué, j'ai postulé pour les clubs que je voulais. Là, la réputation après les gars. Qu'est-ce qu'on a en promo après? En très instable précaire. Kievo. Bilbao. Dortmund. Leverkusen. Cologne. Ouh. Bilbao, ça serait giga stylé en vrai. Ah, putain. Elle est bien cette partie. Je l'adore cette partie, hein. Je devrais faire ça plus souvent. Première fois que je fais ça, j'adore. Je suis fan. Il y aura peut-être une nouvelle partie au prochain patch. Je sais pas encore, les gars. Mais merde. Non. Merde, j'étais pas vraiment. Allez, déchire cette partie. Il pue à l'OL, t'imagines? Ouais. Bon, ça va, j'ai pas basé mon succès sur mon entraîneur adjoint, ça va. Allez, go, go avancer, go, envoie-moi des offres. Match contre retard. Ouais. Fin février, début mars, je pense, mon cher Kempsey. C'est à peu près dans ces eaux-là. Non. Oh, mais. J'ai pas la photo. Oh, c'est grave là. Petr Cech, entraîneur de Brest. J'adore ce jeu, putain. J'adore ce jeu. C'est génial. Cech, entraîneur de Brest. Fascinant. Copenhague me propose un entretien. Bon, après, Copenhague. Ils sont déjà. Comment ça se fait qu'ils sont premiers? Certains vont dire, ah, youpi, ça va être fun à regarder. Je suis désolé, les gars. À obtenir le soutien des joueurs. Ça, je comprends pas pourquoi ils mettent ça. Quand, bah, quand tu veux. Quand vous voulez, les gars. Pas pour Thomas Selvig, oh, le défenseur droit, putain. Pas de soucis. Je m'en branle.
Former des jeunes, non pas de philosophie particulière avec Copenhague. Oui, pas de souci. Pas de souci et pas de souci. Ouais. À l'entretien, je suis pas incroyable, hein. Donc, wait and see. Manuel Neuer prolonge au Bayern pendant un an. Un an de plus, pardon, pas pendant. Prolonge d'un an. Lico sur le Discord à 14h41 qui a lâché, mort de rire. Alors va-t-on voir l'arrivée de Kavenaghi aux Girondins aujourd'hui? Félicitations, Lico. À 14h41, t'as dit ça? Putain, la prophétie. Quasiment atteinte. Ils mettent du temps à répondre, hein. Ah, par contre, ça me fait p... Je déteste les trucs à clic et tout, comme faire les entretiens et la presse, je déteste ça. Voilà. Déteste. Je suis désolé, je vais très vite, mais je déteste ça. Oui, on sera bon sur coup de pied arrêté. On est, c'est très bien tout ça. Assurer le maintien. Ouais. 20 millions d'euros de budget transfert, c'est très bien. C'est très bien. Merci, bisous, câlin. Où est-ce qu'on va signer, messieurs? Ça se trouve, je vais encore me faire recaler. Où est-ce qu'on va signer? C'est l'aventure du jour! C'est where je signe où? Where je signe où? D'accord. Where do I sign, manager 2019? Eh oui! C'est la surprise, motherfucker. Lico, il n'a pas vu ce qu'il a écrit sur Discord à 14h41. Moi, je pense que Copenhague devrait peut-être m'accepter. Je pense. Ouais, je pense. Après, on est d'accord, on se le dit maintenant. C'est pas le défi le plus compliqué, Copenhague. Ils sont premiers, ils n'ont pas d'entraîneur. Donc, après, voilà. On n'est pas à l'abri d'un échec. Hein. Autant Lyon, je pense qu'on était bien parti là. Et puis, on avait gagné ce match contre Marseille et tout. Et je pense que c'était dans le bon tempo. Ça ne m'étonne pas que l'équipe soit deuxième maintenant. Mais, ouais. Bon, c'est joli sur le CV en tout cas. Si Lyon termine deuxième, j'aurais fait. Belle partie du travail. Donc forcément content de moi. Bah, monsieur Samsam, c'est double tranchant un petit peu. Moi, elle me fait toujours peur cette note en excentricité. C'est-à-dire que bon, sur un match à peu près lambda où tout le monde joue bien, ça peut arriver que ton gardien fasse une boulette ou deux. S'il y a une grosse note. Et d'un autre côté, si justement tu es un peu au travers, et bah lui, il peut être un petit peu dans son monde et c'est lui qui peut te sauver la. Tout te sauver parce que c'est ce match-là qu'il a choisi d'être l'homme le gardien le plus fort du monde. Donc c'est. Voilà. Je trouve que Ochoa, qui avait joué à Ajaccio pendant une ou deux saisons, était assez excentrique là-dessus. Je me souviendrai toujours de son match qu'il fait face au PSG, qui était extraordinaire. Et à côté de ça, il a une carrière et des clubs. Tu te dis, c'est juste, c'est un gardien moyen, quoi. C'est ça qui est incroyable, je trouve, avec Ochoa.
avec ce joueur. Je trouve que la note d'excentricité est bien résumée, on va dire, avec Guillermo Ochoa. C'est Guillermo son prénom? Je coupe dans 30 minutes, les gars, aujourd'hui. Je coupe pas trop tard parce que littéralement, j'ai garé le camion et je suis venu direct allumer le stream. Donc, j'ai quelques trucs à faire par rapport à l'entreprise. Donc, voilà. Juste pour vous prévenir. C'est long. C'est long. C'est long. ASMR Pôle emploi. Et au standard autre chose, putain. C'est reposant, ouais. Yo. Je sais pas s'ils prennent en compte la démission. En même temps, c'est vrai que. Avec. Bon. Ça peut être surprenant pour un entraîneur. Lyon a gagné. Nice. Non, j'ai justement. Tout le contraire. Il y a Bordeaux qui a viré son entraîneur. J'ai postulé à Bordeaux. Bordeaux a dit, ouais, c'est chaud de te recruter parce qu'il faut mettre une grosse compensation. J'ai demandé à Lyon de réduire la compensation. Jean-Michel Aulas m'a regardé dans les yeux, il m'a rigolé dessus. Donc j'ai démissionné de Lyon pour me donner toutes les chances de signer à Bordeaux. Et... Oh, putain, ça... oh là là, merde, il n'y a aucun entretien qui aboutit. Et Bordeaux, on a eu un entretien, effectivement. Et Bordeaux a pris Claude Makélélé à la place. Bah, pas vraiment dans le Bordeaux jusqu'au bout. Oh, oui, bah, la démission va faire mal. Je vais devoir signer dans un petit club. Je pense. Bah, tiens, petit club. RC Lens. Très bien, ça. Alors, comment il va, Roro, aujourd'hui? Ça va? Bah on va... Oh là là, oui. Alors là, petit club. Quand même pas signé au Free State Stars FC. Les étoiles de l'état libre. En vrai, ça c'est grave stylé, putain. Ligue des champions africaine. Oh, vas-y, régale-nous, Toto. En vrai, je me fais recaler beaucoup là. Je vais devoir rebondir en Ligue 2. J'ai pas envie d'aller en Russie. J'ai pas envie d'aller à Ibar. Oh là là. Je t'ai dit que ce serait bien ça. Parce qu'on dirait quand même que le jeu te fait payer la démission, je pense, ouais.
Bah ouais, surtout que j'étais. C'est propre ce que j'ai fait à Lyon, sur tout ça. Globalement, ouais. Deux défaites. Et après, ouais, enfin la série que j'avais, elle était ouf. Ouais. 9 victoires d'affilée, 3 buts par match minimum. Et que la victoire à Nice qu'on va se chercher avec la Catenaccio. Et là, en plus, ils n'ont pas perdu depuis. Et c'est full victoire par 3 buts au moins, quoi. Donc j'ai vraiment bien bien remis le club, quoi. Aïe aïe aïe! Bah ouais, et puis c'est surtout en fait que Roro, là, ce qui est marrant, c'est que Bordeaux me dit ouais, on peut pas payer votre compensation, c'est trop d'argent et tout. Et là, tu vois, Makelele a signé à Bordeaux pour 725 000 euros de compensation versée à Vérone. Après, je pense que ma compensation devait être supérieure, étant donné que c'est un contrat qui a commencé 5 mois plus tôt. Bon, j'entends bien. Mais ils ont lâché 725 000 euros alors que moi, c'était gratos. Et puis, j'entraînais pas à Vérone juste avant. Donc bon, mais c'est pas forcément irréaliste. C'est que ça fait chier d'être au chômage. Et le foot va très vite, et ça, c'est très réaliste. Et ça, on va voir. Le foot, ça va très très vite. Je sais pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai. Pourquoi je me suis démissionné? Ah, le Celta Vigo? Allez, Celta Vigo, on postule. Ah, je leur ai vendu l'Odero. Oh, c'est que des vieux, quoi. 31, 30, 33, 30, 30, 31. Oh, pas des vieux dans le football. Salut Dilosa. J'ai démissionné parce que Bordeaux avait viré son entraîneur et Bordeaux voulait pas payer la compensation financière pour moi, donc ils n'étaient pas intéressés et j'ai all-in. J'ai démissionné de Lyon pour avoir plus de chances de signer à Bordeaux. Or, Bordeaux a recruté Claude Makélélé à ma place, qui entraînait Vérone en Italie avant. Donc voilà. Je me suis fait doubler par Claude Makélélé. Oh, pardon. Mystère, où va-t-il signer? Tu crois qu'il va signer là, puis en fait non, personne ne veut de lui. Où va-t-il rebondir? Bon, franchement, Ah, j'ai quand même pas postulé à Supersport United là, quand même. Je vais terminer le stream, je serai toujours au chômage. Oh God. Mais où va cette carrière? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait, Fra? Donc voilà pour la petite histoire avec Lyon. Mais un mec qui fait ça IRL, je pense qu'il c'est possible. Après, c'est pas IRL. Alors là, je dis pas du tout. Il n'y a pas de problème de réalisme, messieurs. J'imaginais ça IRL. L'histoire. L'actuel entraîneur de Lyon, Fernando Cavenaghi, qui a démissionné de Lyon. Apparemment, ça serait parce qu'il a trop envie de signer à Bordeaux. Et qu'il a mis une gigantesque douille à Jean-Michel Aulas, qui connaît des personnes partout. En France, partout, 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 même à l'UEFA, il a des potes. Et qui va lui niquer sa carrière. Oui, non, c'est possible, totalement possible. J'aurais pas dû faire ça, Jean-Michel Aulas. Le king, le boss. Personne ne me contacte, c'est vrai ça, monsieur Chapati, par contre. Même les toutes petites équipes ne me contactent pas. Ça, c'est bonne remarque, ça. Oui, bien sûr. Ah, c'était Nexeman. Oui, bah là. C'est fini dans l'oreille, le romantisme, c'est fini. En vrai, personne ne me compte. Même les entraîneurs de Rimini Calcio. C'est ouf.
On va voir ma page de profil. Je pense qu'elle est. Elle est... Merde, j'ai fait de la merde. Ah. Merde, j'ai fait de la merde. Ah, il est là. J'avais réduit FM, je trouvais pas. Mon historique, historique de l'emploi, voilà. Pas mal quand même. Oh putain, ouais, putain, je suis parti de Lyon. J'ai l'impression de l'avoir dit 10 fois d'affilée. Vous arrivez tous au compte-gouttes, mais c'est normal de demander, je comprends tout à fait, les gars. Bordeaux a viré son entraîneur au mois de décembre, au mois de novembre. J'ai postulé direct à Bordeaux. Bordeaux ne voulait pas payer les frais de compensation à Lyon parce qu'ils étaient trop élevés. Du coup, j'ai dû prendre un risque. J'ai demandé à Jean-Michel Aulas de baisser les frais de compensation de départ. Ce que Jean-Michel a totalement refusé. Donc du coup, j'ai démissionné. Comme ça, il n'y avait plus de frais de compensation. J'ai passé l'entretien. J'ai pas été pris parce qu'ils ont pris l'ancien entraîneur de Vérone, Claude Makélélé, en versant une compensation de 725 000 euros. Et du coup, bah, j'ai démissionné de Lyon à fin novembre, alors qu'on était sur 9 victoires d'affilée. Donc, autant dire que ça fait. C'est compliqué. C'est compliqué. On va regarder depuis qu'ils ont maquillé. J'ai fait. Je suis arrivé mi-juin. Je suis reparti fin novembre. Ouais, je suis regardé. Au niveau des formations, en plus, je suis pas mal. Enfin, au niveau des diplômes, je suis pas trop mal en plus. Profil. Sa porte est toujours ouverte à ses joueurs. Méthode. Ça va, j'ai un bon ratio. 68, 70% de victoire quasiment. C'est pas mal. Et en historique, quoi, ouais, de l'emploi, bon bah voilà quoi. J'ai remis les clubs sur les bons rails. Enfin bon, les Vikings. Comment ils vont? Du coup, ils ont terminé champion, c'est ça? Ouais, largement. Très largement. Non, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, la vérité, Chouchana, je les ai mis champions. Champions du Norvège. Avec des belles stats. On checkera vos régènes, les gars. Peut-être pas aujourd'hui, parce que là, je termine dans 20 minutes le stream. Et puis, on cherche un emploi avant de partir, quand même. Ça serait sympa. Si des gens veulent de moi, ce serait sympa. Le problème, c'est qu'après le mois de janvier, bon, mois de janvier, il y a pas mal de licenciements et de rotations. Mais après janvier, c'est le ghetto, hein, je vous le dis, moi. Donc, on va essayer de. On va se serrer les fesses. Toujours pas Pierre Ligneux, effectivement. Cosielo a signé en Chine, j'ai cru voir ça. On a deux entretiens à passer aujourd'hui. D'accord? Je suis Continental B, je crois, oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais comme je disais, c'est comme une série Netflix. J'ai signé à Lyon. Certains, j'entends déjà des personnes dire, oh, tu signes à Lyon, c'est pas top, machin, pas. C'est comme dans une série Netflix, tu dis, oh, super, il se passe ça. Bon, maintenant, il va se passer quoi? C'est un peu bof. Et on arrive toujours à te surprendre. Et ben voilà, c'est typiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Non mais.
Ah, les finances, par contre, c'est le ghetto à Lens. Putain. Place dans les playoffs. Je fasse une sacrée remontada. Hein. Y'a pas une thune. Oh, putain. Celta Vigo, c'est stylé. Quatorzième, milieu de tableau. 209 millions d'euros de valeur estimée, Vigo. Waouh! Ok. Wait and see. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les chats? Qu'est-ce que ça dit dans les chats? On sait pas, c'est ça qui est bien, monsieur Chabatier. On sait pas. Ah, faudra pas bégayer quand ça sera à Liban de Saint-Seurin. C'est exactement ça. Bon, RC Lens, Saint-Seurin, c'est pareil. Ah, bah, je vais essayer d'avoir un petit boost avec Roro hein, du côté de Lens, bien évidemment. J'aurai pas le temps après Kier. Peut-être que je ferai une partie en speed, en mode speed, mais je vais pas te demander, je vais pas t'embêter. Ça sera vraiment speed et après je quitterai. Génial. Ah, la tournure du truc. Ce qui est juste chiant, c'est d'attendre, en fait. J'hésite à partir en vacances jusqu'à temps que... Parce que c'est long. Ce qui est bien, c'est que de jouer comme ça, je peux interagir beaucoup plus facilement avec mon chat. J'aime bien ça. Bon, attends. On attend. Et je vais aller signer en D2 polonaise, en Polonie, polonaise. Et comme les pâtes polonaises. Et puis ça, on va remettre ça d'aplomb. Hein. Oh putain, il y a une offre. Non? Non? Oh, Southampton. Oh putain! Oh non! Chut à la coro! Alter! Almeneur de faux! Alner! Châtelet, je sais plus quoi, je connais pas la suite. Ouais, non, et ça, ouais, ça à la limite, baisse 2. Non, non, je veux juste pourcentage. Je sais pas, je connais pas. Ouais, ah bah oui, Chapati, j'oublie pas ta clause. J'ai peur qu'il refuse. Fallait augmenter de 10% en fait. Ok. Let's go. Messieurs, nous sommes de retour en France.
le Nord, avec un club légendaire, un club de notre pays, très apprécié, un extraordinaire centre de formation, avec de belles couleurs ketchup et moutarde, où les frites y sont très réputées et on y comprend du coup tout le lien. Ce club, c'est le RC Lens. Comment qu'il vaut que je m'attends à 1 minute ? Petite pensée à tous mes nordistes sûrs sur le chat. Ah là là. Passe de Lyon à Lens quand même. ouais. Yes. Yes. Tac. Tic. Touc. Tuc. Eh ben, vu comme c'est parti, on risque de rester vraiment pas mal de temps à Lens. Hein, étant donné que... que Bordeaux vient de recruter Makelele. C'est pas de Calais, oui, oh merde, vous êtes dans le nord de la France. Tout ce qui est au-dessus de Paris, c'est le nord de la France. Je pense qu'il faut que j'assume la prise de risque que j'ai pris en quittant un club, en démissionnant d'un club qui était sur 9 victoires d'affilée, avec qui ça se passait plutôt bien. Voilà. Plus haut que les playoffs ? Montée direct ? Nice. Et voilà. J'assume. Ah oui, bonjour. Hein. J'assume les conséquences. C'était mon imitation de Nicolas Sarkozy. C'était nul sur 10. Voilà, merci à tous. et puis voilà. On va remonter, on va essayer de remonter en Ligue 1 avec cette belle équipe. Qui a du Ibarbo, qui a du j'ai dire du TT, mais c'est pas Kenny TT. Qui a du Bodiger. Et puis à peu près tout. Et puis on va essayer d'aller faire chier Bordeaux, déjà, premier objectif. Ah non, la chanson, c'est mort. Je vais avoir des problèmes avec YouTube après. Je me relance, effectivement, Chapati, 2 points pour Gryffondor, pour cette blague. Ouais, voilà. J'ai pris des risques. Comme dirait l'autre, mes risques étaient calculés, mais putain que je suis nul en maths. C'est exactement ça. Et puis, voilà. C'est bien au silence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, je vais sauvegarder parce que on a beaucoup avancé, du coup, sans trop le voir par rapport à tous ces jours off. Le Cabodigeur, ouais, c'est... Je passe de Nabil Fekir, Depay, Moussa Dembélé à Jean Bellegarde, Jean-Louis Leca et Thibaut Vlietnik. Et Nabil Alioui. Oui, forcément, voilà, j'espère que vous avez bien pensé à vous mouiller la nuque sur le chat, c'est très important. Ouais, ouais. Bon, c'était pas prévu, quoi. J'ai un Postolacci en attaque. Virgilio Postolacci. Coach Cavinaghi pour faire aussi bien que Lyon. Pas mal, coach Créate qui crie dans la chanson. Franchement, qui avait prévu ça aujourd'hui? Putain, puis il y a du billet, belles équipes. Hein. Il y a encore Angers, 3, Sochaux, Niortais, Chamois, pardon. Ben, ça va pas être simple. Hein. Alors, point positif, on n'est pas trop largué. C'est extrêmement serré. Hein. C'est extrêmement serré. Hein. On est à 5 points du 5e. Ça va. Rachid Alioui, meilleur buteur. 3e, Nabil. D'accord, la famille Alioui, ils sont chauds quand même. Ah, ça n'a rien à voir. Merde, c'est pas la même famille.
T'imagines, Lico? Je monte avec Lens, on dit un scénario. Imagine, je monte avec Lens et Bordeaux descend en Ligue 2. Obligé de redémissionner et tenter. Oh là 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 là. Je sais pas, Pierre Lignot. Je sais pas du tout si ça va me freiner. Virgilio Postolacci. Il vient du PSG, d'accord. C'est la chute. Hein? Salut Tigris Mystique. Yes, comme je dis, dans la vie, il faut prendre des risques. Hein, sinon, c'est. La vie, c'est une pizza sans fromage, finalement. Alors, des fois, il faut mettre un peu de fromage, un peu d'assaisonnement, un petit peu de ce que vous voulez, ce que vous aimez. Mettez pas d'ananas. Parce que là, j'ai mis beaucoup d'ananas sur la mienne. Effectivement, la digestion passe pas très bien, quoi. Mais ouais, il fallait prendre les risques. En plus, il y a un derby dans 15 jours face à l'Oise. Putain. Ouais, j'ai tenté quelque chose. Hein. C'est comme ça, je ferai tout pour Bordeaux. Dans le jeu, en incarnant Fernando Cavenaghi, hein, je parle. Bien évidemment, voilà, j'ai eu Bordeaux qui était sans entraîneur. J'ai tenté ma chance et en démissionnant de Lyon. Mais Bordeaux a préféré Claude Makélélé, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pas. C'est comme ça. C'est. Voilà. Je rebondis à Lens. Je pensais que je pourrais attirer un peu plus gros et avoir des offres, mais j'ai pas eu d'offres. Ça, par contre, ça me surprend. Même des petits clubs. Donc, on va s'adapter. Je connais pas très bien l'effectif, mais bon, on va regarder par rapport aux apparitions les membres clés du petit Bodiger qui va être notre Rien que ça fait mal. Bodiger en Pirlo. Donc Ali, oui, en attaquant. Victor Ibarbo. Blessé 2 mois, ok, on ne le revoit plus. Je regarde pas. Nabil Ali, oui, qui est le meilleur buteur. Mehdi Tarate. Ok. Mexer. Radovanovic. Si je me souviens bien, c'est pas foufou. Il me reste 15 jours pour faire un mercato en plus. Je vais essayer de sniper des régènes à Lyon. Voilà. Ouais, Lens, ça m'étonne pas qu'ils aient des petits joueurs comme ça. Je pense qu'en fouillant un peu réserve. Après, l'équipe première est nulle, donc les étoiles, c'est pas forcément. Oh ouais, un Blanchard à Lens en plus. Oh, ça serait ça, c'est ça. Pour ça, Lens, c'est. Je regarde évidemment les jeunes parce que Lens, je suis parti pour y rester plusieurs années. Autant pas vous mentir et vous dire que je risque de rester plusieurs années parce que bon, l'opportunité de re-signer à Bordeaux, c'est pas tout de suite quoi. Il y a des joueurs stylés. Donc il y a moyen de faire quelque chose, évidemment. Il y a moyen de faire quelque chose avec Lens. Mes meilleurs joueurs. Ce petit Regen, ouais, fait partie des meilleurs joueurs de toute manière, c'est pas étonnant. Il a pas un, pourrait être le prochain. Ah bah encore un Jean-Pierre Papin ici. Ah putain, ils sont partout. Ouais, mais on va essayer de mixer un peu tout ça avec les jeunes. Bellegarde, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté Lyon. Oui, je voulais le poste à Bordeaux. Bordeaux m'a dit non, ta candidature c'est chaud parce qu'on ne pourra pas payer les frais de compensation. J'ai demandé à Jean-Michel Aulas de baisser les frais de compensation pour que je puisse signer à Bordeaux. Il m'a dit va te faire foutre, j'ai démissionné.
J'ai postulé à Bordeaux, ils ont pris Makelele, ils ont payé des frais de compensation à Vérone de 725 000 euros. Et du coup, bah, le fait d'avoir quitté un club en pleine saison alors que j'étais sur 9 victoires d'affilée, peut-être que ça surprend pas mal. Et du coup, bah, j'ai pas eu d'offres de d'autres clubs à peu près de niveau similaire. Et du coup, je signe à Lens, 9e en Ligue 2. Et ça, c'était pas prévu. Alors que j'étais 2e de Ligue 1. Donc voilà. Voilà. Tout simplement. Eh bah ouais, mais on a un habile toujours. Ouais, c'est bien foutu si ça prend compte ta démission. Oui, bien sûr, ouais, des petits clubs. 2 ans grand max, tu penses? Après, c'est vrai que ça va. On l'a dit tout à l'heure, ça va vite le football. Ça va très vite le football. Donc ça se trouve, dans un an ou même à la fin de saison, Bordeaux va être relégué. Enfin, on sait pas, mais dans l'idée. Bah ouais, je pense aussi. Elle a été très rapide la discussion avec Colas, je suis d'accord. Il est 17h, parce que c'est parfait comme timing pour aujourd'hui. Et ben voilà, hein, tout simplement. Putain, j'ai un match. Je viens d'arriver à Lens, j'ai un match à 15h. Très bien. Et contre Valenciennes, à domicile. En plus, un derby. Nice. C'est pas le vrai derby, le vrai derby, c'est contre Lille. Ah, fermez-la, laissez-moi. Je suis encore en Coupe de France. Oh, on tente la Coupe de France. Oh non, je ferai pas un résultat, mais on peut tenter ça pour le fun. Déjà, essayer de rattraper le trio de tête. On a 11 points de retard sur Sochaux qui est troisième, 12 sur les premiers. Ça va être déjà le gros boost qu'on va devoir se donner pour rattraper tout ce retard. Possible, je vous dis bien possible que je joue ce match-là hors stream, dans le sens où bah, il va falloir que je regarde l'effectif, que je fasse peut-être un tout petit peu de mercato. Et le match, il est à 15h, il est 10h du matin. Donc possible que je fasse ce match hors stream. Et puis voilà. Et après, moins 384 000 euros. Mais qu'est-ce que vous avez branlé? Moins 384 000 euros de budget salarial? Moins 7 millions? Mais qu'est-ce que vous. Mais Lance! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais. Je suis arrivé. Mais j'ai signé où? Mais non! Putain. Oh, putain. Oh. Que vous avez fait. What have you done, fucking excellence? Ibarbo, on va discuter. Solatino, 5e mois d'abonnement. Merci mec pour le resub grâce à Twitch Prime. Merci Twitch Prime et merci Solatino. Merci de ton soutien mec. Merci beaucoup. 72 000 euros par mois, Ibarbo. Ok. Eh ben, je vais pas faire deux matchs hors ligne. Je pense que je vais faire juste le match de Valenciennes. Et en une semaine, j'ai le temps de faire pas mal de choses dans le jeu. Et on se retrouvera. Demain, je peux pas streamer. Je sais, je vais essayer. J'ai dit bien essayer dimanche de trouver un horaire de stream. Mais je sais pas quels sont les matchs de dimanche après-midi. Mais je garantis rien, sinon ça sera lundi. Et puis ça sera la surprise de ce que j'aurai fait sur cette petite semaine à Lens. Mais je vais passer l'aspirateur, comme on dit. On va trier un peu tout ça, regarder pour un ou deux transferts si besoin. Et on va essayer de remettre un peu ce club sur des rails moins. Oh, moins 7 millions surtout, déjà. Hein. Et c'est une catastrophe financière. C'est une catastrophe. Donc on va taper dedans, hein, comme dirait l'autre. Je suis pas Carlos Ghosn, mais on va faire un peu dans du tri pareil. Hein. Donc voilà, messieurs. Annecy en Ligue 2, sérieux? Sérieux? Annecy FC? C'est énorme. C'est énorme, c'est une belle histoire. Ah, j'ai pas vu.
Énorme. Bien vu, Lamron. Donner à cet homme des mouchoirs ou une corne, alors, t'inquiète. On verra ce que ça donne. Ah, on va appeler ma... non, mais de toute façon, hé, les gars, hein, vous l'avez vu, hein, dette et emprunt près d'un membre du comité directeur. Oui, allô? Oui, bonjour. Gervais Martel? Je connais quelqu'un, c'est bon. Ce soir, c'est chaud. Ce soir, c'est chaud parce que j'ai rien fait pour le camion. J'ai ma petite fille aussi et je sais pas, je pense pas. Je pense pas ce soir. Je sais même pas si je vais avoir le temps de faire le match aujourd'hui. Enfin, prendre le temps, parce que le temps, on en a toujours. Le prendre, c'est différent. Donc voilà, les gars. Mais ça va être. C'est énorme. Je pense que personne ne s'attendait à ça aujourd'hui. Et voilà la tournure que prend cet épisode Netflix. Fernando Cavenaghi, l'entraîneur qui fait des trucs chelous. Voilà, c'est bien comme titre de série Netflix. L'entraîneur qui fait des trucs chelous. Dit comme ça, on dirait un truc à moins de 18. Ouais. Ouais, ça va être chaud, les gars, en termes de timing. Vraiment chaud. Donc voilà, les gars. Voilà, on a atterri. Dans un club endetté de 20 millions d'euros. Mais c'est pour ça que vous aimez bien ce que vous voyez ici. J'ai quitté Lyon. Et on va faire renaître le RC Lens. Voilà, messieurs, je vous quitte là-dessus. 17h04, il ouais, faut que j'aille faire mes trucs avant d'aller chercher Rose. Merci à tous pour aujourd'hui. Merci, merci, merci. Merci aux trois nouveaux followers ainsi qu'à Solatino pour son resub depuis 5 mois. Merci à tous d'une certaine globalité globale. Merci. Puis on s'est bien marré aujourd'hui, encore une fois, Stéphane. Merci de votre fidélité. Surtout, c'est tout le temps les mêmes pseudos sur le chat. Ça fait super plaisir que vous lassiez pas. C'était très drôle, effectivement. Ça met du peps dans une carrière. C'est vraiment, enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est pas du tout mon style de quitter des clubs et tout. Je suis plutôt un one club man, on va dire. Une carrière de 10 saisons en stream et puis on bouge pas et on fait grandir le club. Et de tester ce style totalement différent à ce que j'ai l'habitude d'être et de jouer, et ben ça me donne grave envie de jouer. Ça me relance. Ça, c'était pour la blague de merde. Sur le jeu là-dessus, franchement, parce que j'ai du mal à jouer hors stream sur une autre partie. J'arrive pas à trouver une autre partie qui m'excite trop. Donc celle-ci, j'adore. Et j'adore la jouer en stream. Donc, puis c'est aussi grâce à vous, parce que vraiment, vous avez l'air de bien aimer aussi, malgré tout. Et ça fait super plaisir, vraiment. Donc voilà, lundi, je sais pas, peut-être que je glisserai 2-3 screens sur le Discord. Tous ceux qui viennent sur le Discord, en plus, qui sont tout à fait sympa. Je rappelle, pour ceux qui veulent venir sur le Discord, je vous mets le lien. Ici, il faudrait que je fasse la commande d'ailleurs. Donc voilà. Vous savez tout. Prochain. Il débarque dans un club amateur au Togo. La chute. La chute de l'entraîneur argentin. L'épisode d'après, je suis obligé de vendre mon corps dans des favelas au Brésil. Enfin bref. Voilà, messieurs, pour aujourd'hui. Je vous quitte là-dessus. Merci. Passez une très belle fin de journée. Je vous souhaite plein de victoires d'affilée pour vous aussi, bien évidemment. Plein de bonnes choses. On risque de se voir plus lundi. Que dimanche. Je vous tiens au courant via Twitter, malgré tout, et via le Discord. Et puis voilà, tout simplement. C'est cool. On arrête là-dessus? Messieurs, à la prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao.